Dans cette vidéo, nous allons effectuer le circuit de Lance de Kerguelen sur la commune de Larmor-Plage. Nous traverserons des zones de campagne, nous traverserons des zones boisées. Nous finirons par la côte et l'océan. C'est parti parce que vous le savez, il faut que ça marche. Bonjour, c'est Frédéric. Vous le savez, j'ai une cardiomyopathie hypertrophique, une maladie cardiaque, et on m'a recommandé de faire de la marche. Et depuis de nombreux mois, maintenant, je me plais à vous emmener avec moi dans les différentes randos et marches que je peux faire en Bretagne Sud. Aujourd'hui, nous trouvons sur la commune de Larmor-Plage, pas très loin de la maison en fait. Et nous allons faire le circuit de Lance de Kerguelen, qui est proposé par une application de l'agglo de Lorient, qui s'intitule Rando Bretagne Sud. Une boucle d'environ 5,5 km qui offre de nombreuses variantes en termes de paysages, bois, chemin, campagne, mer, côte, marais. Vraiment une boucle très agréable sur cette commune de Larmor-Plage. L'application qui recommande cette randonnée, Rando Bretagne Sud, est vraiment très bien faite. Et je vous invite et je vous recommande vraiment à télécharger cette application pour faire notamment toutes les randos qui y sont proposées. Parce que ce que j'apprécie notamment, c'est toutes les indications qui sont données sur l'histoire des lieux ou l'intérêt qu'on peut porter à certains endroits. Personnellement, lors de cette rando d'aujourd'hui, je ne me permettrai pas de reprendre le travail qui a été fait, parce que j'aurais l'impression un petit peu de m'approprier ce travail qui a été fait sur cette application. Donc c'est pourquoi je vous invite vraiment à la télécharger pour vraiment prendre connaissance de cette randonnée et de tout le travail qui a été fait par l'agglo. Face à cette sépulture, car c'est bien de cela qu'il s'agit, je décidai d'accorder à ceux qui reposaient ici même quelques instants de recueillement. Je pensais à ces hommes qui, comme moi, aimaient tant cet endroit qu'ils l'avaient choisi pour être leur dernière demeure.
l'édifice principal de cette fontaine a été entièrement reconstruit. En 2011, un sculpteur d'origine nord-finistérienne l'a rebâti dans le style de sa région, haut et élancé. Travaillant en été, il a aménagé une petite vasque pour que vienne s'y abreuver son chien. Lorsque l'hiver s'installe, il est toujours difficile de rester régulier dans la marche et dans la randonnée. Et souvent, lorsqu'on a des difficultés d'ordre cardiaque, ça peut être dangereux parce qu'on peut avoir une prise de poids. Vraiment, c'est difficile et on a toujours la tendance à se trouver des excuses pour ne pas aller marcher. Il fait pas beau, il fait froid, il pleut. Ou je l'ai déjà fait, c'est trop loin. Donc vraiment, je vous invite vraiment à rester actif et toujours marcher, se trouver toujours de nouveaux lieux, même pas loin de chez soi. Vous voyez, aujourd'hui, je suis à 1 km de chez moi, je ne connaissais même pas du tout cet endroit. Il est tout petit, hein, cet oiseau. C'est un tout petit oiseau blanc. Et puis, parfois, ils sont à 5 dans son nid, quoi. C'est incroyable. Il m'arrivait de penser que la marche en solitaire a parfois de bons côtés. Tandis que mes pas foulaient cet endroit, je pensais à l'Orient Plage. Des hommes avaient eu l'ambition de faire de ce lieu un parc immobilier au sortir de la Première Guerre mondiale. Certes, l'endroit s'y prêtait à merveille. C'était cependant faire abstraction des caprices de Dame Nature. Tandis que l'Orient Plage se dessinait sur les plans des promoteurs, le raz de marée de 1924 engloutit le projet. L'Orient Plage devint-elle un mythe? Je pensais à l'Atlantide, elle aussi engloutie à jamais. Les dieux étaient-ils encore cette fois ceux qui avaient à tout jamais anéanti un tel projet?
de retour à la base nautique de Kerguelen. C'est ici que se termine notre boucle. Si cette petite rando à l'Armor Plage vous a plu, faites-moi le savoir par un petit like. N'hésitez pas aussi à ajouter des commentaires. Je vous invite bien sûr à vous abonner. Vous savez, une vidéo par semaine, chaque mercredi sort une vidéo. Je vous invite donc à vous abonner pour ne louper aucune sortie de vidéo. Portez-vous bien, et pour que vous portez bien, il faut que ça marche.